Et là, on est dans WhatsApp Geek, je suis avec Taipouz et c'est tout. Et ouais, je suis là. On se plaisir. Fidèle au poste. Hein, fidèle au poste. Nice. Est-ce que les gens ont du son? Est-ce que les gens sont là? Non, on démarre cette petite émission tranquille. Alors j'avoue, c'est la première fois de ma vie que je démarre cette émission comme ça, c'est nul, alors on va faire. Salut tout le monde, c'est Tsuki au Power, je suis avec Taipouz, on est à WhatsApp Geek sur eclipsia.com. Et on est ensemble pour 3 heures. 3 heures. De folie. Exactement. Mais avant tout, une première petite demi-heure, 20 minutes. Calme, posé, on se dit bonjour, on se lève un petit peu. On raconte un peu nos lives. Le chat nous pose des questions, tout ça. Exactement, le chat nous pose des questions et c'est génial. Alors, Taipouz. Ouais. Raconte-moi un petit peu ta journée d'hier. Où c'est qu'on a pu te voir hier et qu'est-ce qui s'est passé? Ma journée d'hier, comme d'hab, WhatsApp Geek et j'ai fait. T'as été dans WhatsApp Geek hier? Ouais. Ok. Mais t'étais pas là, c'est juste donc. Genre. Et j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai stream aussi l'après-midi avec Sarante. Vous avez ruiné deux games ou trois games? Deux loose quoi. Une game où j'étais méga feed et l'autre game où j'étais drôle. Putain, j'ai joué ADC mec. Et j'étais feed. Ah ouais? Ouais, j'ai joué Sivir, c'est trop fort. Très bien. Et sinon, ouais, rentrant, j'ai joué Hearthstone, j'ai fait à manger, j'ai fait des trucs quoi. T'as fait à manger? Ouais. J'ai fait du chicken carnet. Mais vraiment. Wow. J'ai du respect pour toi. Alors, moi je me connecte sur l'IRC, c'est moi je suis connecté. Ouais, je suis connecté aussi. Nice, et maintenant je peux les lire. Beaucoup plus sympa. On dit alors Taipouz, c'était Rémi de la matinée avec Modo Jaxi. C'était quoi cette histoire, sincèrement? En gros, et c'était. Il y avait zéro histoire, c'est juste que c'est des filles et que voilà, c'est tout. Ah ouais? À un moment, ça se passe toujours comme ça. 20 ans de métier, je travaille avec des filles aussi. Avant, quand j'étais éducateur et tout, il y avait des filles dans le groupe. 20 ans de métier. Et c'était pareil. Ah ouais? Quand j'ai fait les plaines aussi, quand j'ai fait mes stages, à chaque fois qu'il y a des filles dans un groupe, il y a toujours un moment où ça pète. Mais c'est rien de méchant, parce qu'après une heure, c'est ouais, t'es ma meilleure amie et tout. Quoi. C'est comme ça, c'est les filles. Et c'est tout. Désolé les filles sur le chat, ne m'en voulez pas, mais c'est ce que je pense. Toi, tu penses pas que les filles sont un peu à se disputer et puis être les meilleures amies du monde une heure après? Écoute, moi je pense que hier soir j'ai trouvé dans un magasin du Mountain Dew rouge. Et ça c'est. D'ailleurs, disponible sur Tesco.com. Non, j'éconne. Placement de produit, hop. Non. Écoute. Écoute-moi, par rapport aux filles, ce n'est pas une publicité, n'est-ce pas? Par rapport aux filles. Non, je déconne en plus. Eh, pas si fait, dis que j'avais raison. C'est zéro publicitaire, hein, je rigole. Enfin, de toute façon, aucunement envie de toucher un public français du Montaigne, vous en avez pas en France. Bim! Ils en ont pas en France, je crois. Je sais pas. Vous en avez en Belgique? Non, ça me dit rien. Je pense pas qu'ils aient du Mountain Dew en France. Enfin, c'est trop bon. Eh bien, oui. Pas si fait, d'accord avec moi, c'est une fille. Oui. Et je visais personne, hein. Je dis les filles dans la généralité. Mais c'est rien de méchant. Moi, je pense que les hommes, ils ont leurs défauts aussi. C'est pas une question de sexe. Ça sert à rien de faire un amalgame. Dangereux d'ailleurs en plus. Dangereux. on va faire des débats ce matin, mec. Je pense que la personnalité de chacun est à remettre en question. Et c'est pas parce que t'as une paire de seins que t'as plus le droit de te prendre la tête qu'un mec. Ah non, je dis pas ça. Oui. Non, mais ce que j'en sous-entends, c'est plutôt que. Est-ce que c'est parce qu'elles sont. Ce sont des filles ou est-ce que ce sont deux personnes avec un fort caractère? C'est une autre histoire. Moi, comme je l'ai souvent dit, pour être streamer, une des premières qualités, malheureusement, à double tranchant, c'est d'avoir un très fort caractère. Le problème, c'est que plusieurs forts caractères au même endroit, ça crée des tensions électriques. Voilà, exactement. Mais on peut vous rassurer, depuis qu'il y a eu ça. Il s'est rien passé de grave ici, mais elles en ont parlé et tout. Il y avait zéro. Moi, j'ai pas vu pour le coup, puisque j'étais malade, je dormais le matin. T'étais pas là pour gérer le bazar en fait. Et moi, j'étais là. Il y aurait pas eu le bazar parce que je le dis, aurait pas été là en fait. Ouais, déjà. Et j'ai fait. Donc c'est ma faute. On se calme. Et puis elles se sont calmées. Et voilà, c'est tout. Bon, très bien. Croque-mitaine. De quoi? Et tac, non, il y avait un pseudo qui était marrant, Croque Mitten. Les amis, sinon la musique qui passe actuellement, je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas elle est trop cool. C'est I Got You de Duke Dumont. Elle est vraiment sympa. Et le clip est trop cool. Est-ce que tu regardes le concept du clip? Je vais te le montrer en deux secondes. C'est un mec. Montre-moi. Regarde, je vais te montrer ça. Donc c'est un mec, il est solo chez lui. Je monte le son. Regarde vite fait si c'est pas trop fort pour.
Il y a deux musiques là par contre, non? Ah ouais? Non, non, c'est bon, il y a... Non, non, non. Et donc regarde, en fait c'est un mec qui commande un casque à réalité virtuelle. Ouais. Et quand il met Théma, regarde comme c'est trop bien fait. Il y a la autopub. Ah ouais. Et donc regarde, le mec a mis un casque sur son visage et il voit comme ça. Il ressent et toutes les choses. Bon, forcément dans son casque il y a que des meufs, des bombes. Sinon c'est pas intéressant d'avoir un casque comme ça. C'est marrant. C'est marrant. Bah après c'est vrai que genre c'est full fan service quoi. Il y a que des meufs dans ce clip. Bah, en même temps c'est un clip de musique hein. Ouais, c'est clair. Là t'as les seules séquences où y'a pas de meufs d'ailleurs. C'est des singes. Non mais c'est vrai. C'est des singes, je fais pas de service aussi. Pas de meufs, des singes. Et donc voilà, le clip est super beau. Le clip est super beau, j'aimerais bien savoir où il a été tourné d'ailleurs. Parce que si j'aimerais bien y aller. Vas-y, c'est I Got You. I Got You de Duke Dumont. Super beau, j'aimerais vraiment y aller. Ouais, j'avoue, le clip il est. C'est nice. La Thaïlande. Si c'est la Thaïlande, la vérité, j'y vais cet été. C'est bien possible que c'est la Thaïlande. Franchement, c'est bien. Possible. C'est vraiment magnifique. Je dirais Thaïlande, Amérique du Sud, je sais pas. Amérique du Sud? Non, ça c'est zéro, bah, je pense vraiment pas. Parce que ça va être anglais. Mec, c'est un peu comme ça, les décors, les fleuves. Les... Mais ouais, ouais, de toute façon, éléphant. Enfin, quoi que c'est peut-être un. Bah attends, il y a bien des panneaux, on va voir quelque ouais, part. C'est peut-être Thaïlande, ça, c'est sûr. Thaïlande. Ça, ah oui, ouais, je pense. Ouais. Si, si, je pense aussi. Ouais, là, c'est sûr. Enfin, voilà, un clip plutôt intéressant. Excellent. Voilà, donc c'est super cool, le clip est super cool. On avait une image qui confirme direct, ouais. Oui, c'est à Thaïlande, je suis déjà allé, c'est magnifique. Thaïlande, en plus, c'est un endroit qui me plaît, et justement, ma copine m'en a parlé récemment, elle voulait aller là-bas. C'est fou, parce qu'en plus, en fait, en tant que Français, il y a plusieurs réticences à aller en Thaïlande, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, mais dans tous les autres pays du monde, enfin, dans une grosse majorité des autres pays du monde, riches, c'est juste ultra normal en fait d'aller en Thaïlande, c'est un pays qui coûte pas cher et tout. C'est vrai qu'il y a encore masse préjugés en France quand même. Le fait de dire je vais en Thaïlande, les gens ils associent vachement ça au tourisme sexuel, blabla et tout, tu vois. C'est super, c'est encore super ancré dans les esprits français. Mais c'est super normal pour masse pays d'aller en vacances en Thaïlande, parce que c'est beau et ça coûte pas cher. Enfin, ça coûte pas cher, sur place ça coûte pas cher, c'est clair. Mais pour y aller, à mon avis, l'avion ça va être masse. C'est loin. Noah dit, mais tu sais. Non, non, il dit franchement, j'ai zéro idée. Ouais. Mais en France, ouais, on est réaliste. Ouais. Moi, j'irais à l'impro, quoi. Genre, je paye un billet d'avion et je prends tout sur place, quoi. Genre, tu sais que ça coûte de moins en moins cher de prendre l'avion pour aller dans les pays. Hein. Ouais. Tu sais qu'il y a une époque pour aller. Je te parle comme ça, imaginons au Japon. Pour aller au Japon, un trip au Japon, il fallait prévoir rien qu'en avion, dans les 1400-1500 boules. Ouais. Maintenant, pour 630€, si tu t'en sors bien. Pour 630€, tu prévois le coup parce que tu sais que bon, l'avion va être long, t'as une escale à Moscou sans doute, etc. Mais genre pour 600 boules, tu vas au Japon quoi, donc ouais. C'est Aux States aussi, avant c'était masse et maintenant il y a quand même moyen d'avoir des billets vraiment pas trop cher quoi. Mm. C'est pareil. Ouais. Enfin voilà. Du coup, les amis, on a effectivement un programme pour la matinale d'aujourd'hui. On a des cartes de. Ouf, oh là là. Si Dash savait que les cartes du Trivial Pursuit étaient comme ça, qu'est-ce qui tuerait les gens? Non, parce qu'à chaque fois, à chaque fois que je vois Dash rentrer dans cette pièce, ils vont faire OMG, mais pourquoi les cartes elles sont là? Dash Arai. Et oui, on a un programme, on a quand même 2-3 chroniques de prévu tout. Le truc, c'est que c'est très difficile de les faire sans Modosaur. Modosaur qui n'est pas là. Alors, je pourrais pas vous dire où elle est actuellement, mais elle doit très certainement avoir une très bonne raison. Ah, attends, on m'a skypé. Non. Ah ouais? Non, pas elle. Non, moi on va pas skipper. Mais voilà, du coup, on va voir comment ça se passe. On laisse le flow nous emmener un petit peu,
Et puis on pourra toujours avoir le sactu. Et puis on pourra toujours avoir le challenge pour vous faire gagner des RP. D'accord. Quoi que les rêves, comme les gens soient là ou pas, on peut vous faire gagner des RP. Et puis pour les autres, on va voir. On va voir. Il y a deux, trois autres chroniques. On verra. Posez, on se prend pas tête. Moi, je serais tellement chaud. De quoi ? Je serais tellement chaud. De faire du Hearthstone ? Non. Du LOL ? Duo avec mon ami Tsukio qui me carry. Une duo queue ? Tu prends ton smurf et tout et tu me carry. C'est plus. Enfin, je le joue vraiment en tant que main account maintenant, mon Tsukio. Ouais, mais tu prends un smurf alors du coup. Prenez pas niquer tes stats parce que ici, mec. Ah ! T'as vu le stuff, t'as vu l'espace qu'on a et tout. C'est chaud. Tu veux faire une duo queue ranked, voir ce que ça donne ? Je sais pas si les murs sont chauds, on verra. Ok, bah écoute, juste après la première publicité, ouais, on leur met genre dans 6 minutes. Dans 6 minutes, on y repense. Ouais, dans 6 minutes, on y repense et masse. Dans 5 minutes, 6 minutes, on y repense, ouais, exactement. À quand Guitar Hero dans la matinale ? Je suis quoi à 1000%? Eh bien, nous aussi, on est quoi à 1000% à Guitar Hero ? Pareil. Et ça va arriver. Soon. Parce que de toute façon, Guitar Hero va arriver. Bon, c'est, je vous spoil à mort. Hein. Je sais même pas si je dois dire ça. Mais de toute façon, Guitar Hero devrait arriver très certainement dans le prochain Eclipse Family. Voilà. Donc, Guitar Hero sera là, quoi, je veux dire. C'est ça, obligé. Bon, par contre, s'il y a Guitar Hero, Max, on va l'interdire. Apparemment, c'est champion du monde de tous les États-Unis. Ouais. D'Amérique. Bah, Max la voix du gaming. Ça fera un jeu, hein, le pauvre. Et encore, autant il s'est vendu comme à tous les autres jeux. Ouais. Le mec, genre il s'est battu à Eterna. Il va être en mode easy et il va faire ouais, j'ai fait. MDR. Oh là là, Max Hildan, le pauvre. Max Hildan, la voix du gaming. Max Hildan, la voix du gaming. Bon, bah voilà quoi. Joue à Max. Oui, alors on peut encore un petit peu discuter. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Hier, il y a eu la fin de Teen Wolf. Voilà. Pour les gens qui suivaient la série Teen Wolf, ben it's ended. It's over. Man, it's over. Bon, il y aura très certainement une prochaine saison. Je me suis pas renseigné du tout, donc je n'ai pas envie de trop en parler non plus. Mais c'est, je pense, ça, c'est une série qui marcherait bien. Donc, Osef en même temps. Oui, mais on s'en fout. Hein, mais bon. Sinon, quoi d'autre ? Tu l'as vu la vidéo du tremblement de terre pour la Saint-Patrick ? Non. Alors je te montre ça, c'est drôle. On voit. Je te la montre. On voit ça. Regarde-moi ça. En fait, c'est sa tête qui est priceless. Je sais pas, c'est une idée qui est en train de buzzer à mort. Ouais. 11 millions de vues déjà en 4 jours. Un peu plus de jours quand même. Pour la Saint-Patrick, c'était sur la chaîne KTLA News. Et il y a eu un tremblement de terre en fait aux États-Unis. Mais un petit de merde, hein, ça genre. Drrr. Et en fait, le présentateur, il a trop une des tête. Paniqués. Il a trop une tête de paniqueur. Il fait genre. Il fait comme ça. Elle parle à la meuf à côté de lui. Il fait genre. Earthquake, c'est-à-dire tremblement de terre. Earthquake, oh, quake. Et genre, d'un seul coup, il va se le miauler comme ça, genre. Quelle grosse tête. Et après, tremblement de terre s'arrête et il se remet debout. Il fait Ok, j'ai l'impression que ça s'est arrêté. Elle doit être alambosée. Et genre, il y a trop de gifs et tout sur lui. Moi, c'est super drôle. Allez, la tête qui nous sort est super marrante. D'ailleurs, si tu veux, c'était chaud, tu peux mettre. Je sais pas si c'est sur YouTube ton truc avec Zidane et tout. Là, ah oui, c'est sur YouTube, ouais. Ça peut être pas mal un petit fou. Mais. Je veux dire, je me moque pas dans le sens où il a très bien réagi en plus, hein, pour un tremblement de terre, pour ouais. Le coup. Le mec, il s'est instant mis sous la table et tout. Ce qui est drôle, en fait, dans cette séquence, c'est que la meuf à côté de lui, genre, elle est en mode tellement de knocker, tu vois. Ouais. Et lui, il est là, il est tout paniqué. Ça, c'était super drôle. Enfin, bref. Qui bosse sur les bureaux derrière Tsuki en temps normal ? C'est LRB là. C'est nous en fait là. Ouais, là en gros, chez alors, de gauche, c'est LRB. Attendez, alors là il y a LRB. Bon, de toute façon, c'est le bureau, il y a des bisounours. Là il y a LRB. Là-bas, il y a Zerator à côté. Et là-bas, je sais plus qui c'est qu'il y a. C'est Twix là-bas. Ah oui, Twix. Ah, c'est pour ça, je l'ai jamais vu parce qu'on est trop décalé, Twix et moi, en termes d'horaire. Quand moi je suis en open space, lui il est pas en open space. Là, c'est toi, ta épouse. Ouais. Là, c'est moi, juste à côté de toi. Après, là-bas, c'est Modozor. Et après, là-bas, au fond, c'est Arteon. Arteon qui, lui, est en relation avec... alors, à côté d'Arteon, en fait, il y a Sati, pas très loin. C'est pour ça. Enfin, j'ai du mal à montrer avec mes doigts. Et en face de nous, donc là, vous avez ça.
Et en face de nous, donc là-bas, vous voyez pas, il y a encore là-bas, il y a encore une rangée. Il y a Chelsea, Skyyard, Jiraiya, Akzari. C'est ça. Et de l'autre côté. Et là-bas, de l'autre côté, ah oui, et là de ce côté-là, ça fait Sarens, ça fait les chefs de TV, les responsables. Sarens, Dash, Lej, ouais, et je sais plus qui. Et personne. Ok. Et de l'autre côté, au fond, bah, vous avez tout ce qui est développeur. Ouais, l'autre pôle, c'est développeur, puis il y a tous les rédacteurs. Et puis rédacteur, il y a pôle rédacteur aussi. On peut apercevoir aussi où il y a les monteurs, genre Amaury. Ah oui, c'est vrai. Et là-bas, là, les trois là, c'est Rémi, Amaury et Ogar, ouais, qui sont nos monteurs, etc. Voilà, voilà pour l'histoire, les amis du chat. Est-ce que vous avez des news de l'application mobile? Ah, moi j'ai des news, elle va sortir vraiment soon. Ouais. Elle, en tout cas, elle est prête. Oui, c'est ça, c'est exactement ça en fait. Il faut savoir que nous, elle est prête de notre côté, ça, je pense qu'on peut le dire. Au niveau des stores, etc. Voilà, en fait, voilà, il y a des trucs encore, il y a des délais, des marches à suivre, il faut attendre apparemment. Mais ne vous inquiétez pas, elle est faite, il n'y a pas genre d'annulation. Nous, quoi, elle est finie, nous, elle est prête, elle est 100%, c'est bon, c'est done. On attend juste que ça soit validé, parce que sinon, elle n'est pas disponible sur les plateformes de téléchargement en fait, c'est tout. Voilà. Mais elle est faite. Pam pam pam. Exactly. Donc ça on peut le dire. Max et d'ailleurs. La, et la table pour les AFK de Taipouz, elle est où? D'ailleurs c'est Max Hildan qui gère le projet. Et Max Hildan, yes. Il fait ça en mode super professionnel. Enfin, en même temps, on est super professionnel. C'est super chelou, Lana Del Rey, dans la quasi majorité de ses clips, il y a un drapeau américain derrière elle. C'est super bizarre. Ouais. Et il est 26, mon pote. C'est vrai ? Attends, okay. Du coup, on fait quoi ? On demande aux viewers ce qu'ils veulent pour. Parce que je pense pas qu'on va faire 25 minutes pub, 25 minutes pub. Je pense qu'on va peut-être faire un truc plus long là pour la prochaine. Ouais. Vous voudriez quoi comme. Il devrait bien qu'on joue à quoi, Tsukio et moi ? Patriotisme. Est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse une petite une ranquette, t'épouse et moi ? Ouais, y a pas mal de trucs. C'est comme vous voulez, les potes. Comme vous le sentez, ouais. Ouais, ils sont chauds pour faire une petite YoQ. Ouais, à mon avis, ouais. Non, et viewers, non. Déjà, c'est sûr que non, parce qu'il y a quasi. Il y a trop de duo queue, donc. Ouais, on va faire duo queue, hein, mec. On va faire duo queue, les potes. C'est quoi ce clip? What the hell? Il y a un mec, il fait notre programme, il a. Ranked, pub. Ranked, pub. Ranked, pub. Merci. Je crois pas, non, prends pas ça. Ce serait bien, mais c'est trop facile. Bon, les amis, 4 minutes de pause, nous, pendant ce temps-là, on va lancer très simplement une ranked. Pour pas se faire sniper, parce que c'est genre juste gratuit de nous sniper à cette heure-ci de la journée. Je crois que tu lances, t'auras beau avoir deux ligues de différence, ça passe quand même, parce qu'il y a personne. T'es diamant, tu te fais sniper par des bronzes. Donc voilà, je vais jouer avec mon compte quasiment platinum, hein, parce que je m'en fous. Ah non, mais mec, après tu vas lose et tout. Mais non, bien sûr que non. On va jouer contre des machines. On va jouer contre des machines, mais c'est comme ça qu'on progresse, collègue. Et puis tu sais que. Et puis c'est qu'une question de temps, si tu dois monter, tu monteras au final. C'est... Non mais c'est... oui, enfin, de toute façon, même si je fais que gagner et perdre, je monte quand même. Parce que je prends 28, je perds 14. Ouais, si tu fais du une win, une lose, une win, ouais, une je win. Ouais, je win. Prends quand même du plus 13 au final. Même quelqu'un de base, il fait une win, une lose, une win, une lose. Il prend quelques points, ouais. Donc, il monte jusqu'à, mon avis, il y a moyen de monter jusqu'à gold au minimum. Ouais, donc quoi, voilà. Non, et puis surtout que si tu veux, à ce niveau, Enfin, faut pas se voiler la face, mec. La game, enfin, tu verras qu'en platinum, les games elles jouent à 3 teamfights, quoi. Ouais. Dans toute la game, hein, ça se joue sur 3 teamfights. Hein. Le premier teamfight, il met une team bien. Le deuxième, soit ça remet, ça rebalance, soit ça crée l'écart. Après, c'est fini. Enfin. Ouais. Bon, allez, les amis, 4 minutes de pause. Je suis avec tes pouces, on est sur GameStop.com. On se retrouve juste après pour du League of Legends. On dit OQ Ranked. A tout de suite.
Eh bien, tout le monde est de retour en WhatsApp Geek, la